Voici le moment où on voulait me faire la peau. Je me suis rendu à Charleroi, la ville la plus dangereuse d'Europe, selon Numéo. J'ai donc décidé de m'y ramener moi-même et fusiller les gens qui sont passants. Mesdames et messieurs, moi je vous présente, là on est Charleroi. On va vraiment shooter les gens qui sont pas sobres. Soyez prêts, soyez sobres les gars. Likez la vidéo, c'est parti. Ok, là c'est le moment. J'ai tapé un headshot, frère. Ça fait un montée d'adrénaline, frère. Je fais ça plus encore dans un film. Non, ils vont jeter des trucs sur la voiture. Regarde comment ils regardent. Mais ça, il faut avoir... Vas-y, le mec en rouge, désolé, mais il s'est mangé un petit headshot. Ah fou, il m'a regardé une petite manière. Un fumeur. Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe? Mais je vois pas. Avance hein. Lou à ma gauche, allez là. J'ai plus de chance. Non. Ah, si, il nous a vu, il est direct venu vers nous. Fais marre. Et là, pose ta cigarette, monsieur. Pose ta cigarette. Faut poser la cigarette, monsieur. Vous comprenez? Posez la cigarette. Posez la cigarette, monsieur. Posez-la. Pose la cigarette, c'est pas bien. Gros, ils opèrent comme si t'allais leur chier dessus. Hein, gros, il s'est tourné. Il a dit mon frère quand il t'a fait mon frère. La tête, là. Ah, mon frère. Tu étais vraiment dans un... Monsieur, il faut pas fumer. Il faut rester sobre. Vas-y, avance. Attendez, je vous mets la vraie version. Vas-y, avance. Imagine les tirs. T'imagines les tirs, fou. Il a fait comme ça, comme dans les films. Comme ça. Ah mon frère. Mais couille. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ça va ou pas? Ça va. J'ai de la cocaïne. Ah la petite fleur, c'est pour moi. Désolé frérot, en fait, tu vois, je voulais te rendre sobre. Ouais, faut rester sobre. C'est le roi d'Afrique. C'est le roi d'Afrique, c'est ça. Ah, faut que je fasse confiance. Paris, Charleroi. Allez, chante. Vas-y, crache dessus, frère. Allez, tire la voiture. C'est... Il me crachait dessus, frère. Monsieur, arrêtez. Posez la cigarette, monsieur. Posez la cigarette. Posez la cigarette, je vous dis. Posez la cigarette, monsieur. Pourquoi? Posez la cigarette, monsieur. Je vais pas le répéter. Posez la cigarette, monsieur. Merci, monsieur. Hop. Voilà. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Soyez béni, soyez storm. Il a écouté, on peut rien faire. Bonne journée, hein, monsieur. Attends, t'as pas envie de genre, on va un peu et puis on voit s'il va rallumer une autre cigarette. Ouais. C'est bizarre. Ouais. D'accord. Bah, j'ai dit, monsieur, je vais pas me répéter, monsieur. Pose la cigarette, je t'ai dit. C'est pour sa santé. Oh, madame. Mais bon, t'es pas obligé, t'as klaxonné 4 fois comme un taré, c'est bon. Mais madame, vous vous remettez sur la rue, s'il vous plaît, c'est pas comme ça. Désolé, madame, hein, bonne journée. Non, désolé, vraiment, il faut rester sobre. Ah oui, je m'attendais pas à ça. Moi, j'ai dit, j'aime trop klaxonner. Ouais, les gars, quoi de bon? Ça dit quoi? Vous êtes sobre? Pas de consommation d'alcool ou quoi? Hein? Non, mais les gars, comme ça, vous savez, pas d'alcool, pas de consommation, ok? Bonne journée, au revoir. Comme les officiers. Comme la police, frère. Il fume, là. Il fume. Viens, non, je t'ai mis. Mets-toi genre, là, ouais, ici. Donc moi, je te dis, monsieur, moi, c'est ça. C'est ça, monsieur. Monsieur, vous le venez de la jeter, monsieur. Vous venez de la jeter, passez ça. Mettez ça dans votre poche, monsieur, et ne le ressortez plus, monsieur. C'est pour votre santé que je vous le dis. Regardez, vous êtes un beau monsieur. Je veux que vous vous sentez bien dans votre corps, monsieur. Vous avez des enfants. Qui veulent que vous preniez soin d'eux. On est d'accord quand même. Allez, non mais monsieur, je vous parle sérieusement là.
Vous avez une famille, vous avez des enfants, ils tiennent à vous. Arrêtez, monsieur, si je vous revois encore une troisième fois, ça va mal se passer. Vraiment, j'ai pas envie de vous faire ça en fait. Ne fumez pas, vraiment. Ne faites pas ça. C'est pas bien. Serrez-moi la main. Moi, je veux juste que vous regardiez. En fait, c'est pas bien pour vous. Vous êtes un tel joli homme, monsieur. Vous avez un futur encore à vivre. Vous voulez prendre encore des femmes en doggy style à votre âge, je vous le dis. Il y a le soleil, il y a la splendeur de vie, monsieur. La cigarette, vous empestez tout le bazar et tout, c'est pas bien. Vous n'aurez pas le cardio, en fait, pour... Voilà. Vraiment, allez, monsieur. Pensez une deuxième fois quand vous sortez la paquet de cigarettes. C'est vraiment pas bien. Monsieur, vous voulez encore pénétrer des meufs à votre âge? Toi, vraiment, t'abuses toujours, avance. Vraiment, espèce... Désolé, monsieur. Espèce de connard. J'étais là avec un bon message. Regarde, mais au moins là, moi je dis, c'était la mission succès, sa priorité. C'était la mission et un succès, il a lâché la cigarette, on s'est serré la pince, tout est convivial, comme on voulait quoi. C'est vraiment ça, on essaye d'éduquer le monde de manière positive, en général quoi. Les gens, soyez sobres. Là les gars, ça a l'air d'être plutôt calme dans la ville, vraiment on est dans un endroit moins fréquenté. Mais voilà. Le danger est toujours là, la cigarette est toujours là, là c'est partout dans le monde en fait. T'aurais un commentaire sur la situation ici à Charleroi qui dégénère un peu sur les gens qui consomment de manière quand même pas très nette. En fait, ce que je suis en train de dire, ouais, c'est que je suis outré par la situation de la ville quoi. Ouais. On est vraiment dans une dépendance intempestive de drogue quoi. Ouais. Moi je pense vraiment que la SBR doit vraiment éradiquer cette vermine. Donc là, on va revenir vers notre ami qui prend la coke. On va lui demander. Kirikou. Il est où? Il a déguerpillé ou quoi? Il était. Il est plus à son endroit, à son centre de tir quoi. Imagine nous attendre derrière une voiture. Tout son bien-être. Non, il va revenir. Il y a quelque chose. Voilà, monsieur, il faut poser la cigarette. Hein. Posez la cigarette, monsieur. Posez la cigarette, c'est mieux pour vous. Quoi, il veut se casser? Posez la cigarette, je dis. Sur sa cigarette, monsieur. Posez la cigarette. Posez là, monsieur, je vous dis. Pose ta cigarette. Hey, pose ta cigarette, je t'ai dit. Lui, on va le reprendre. Putain, ça, c'était pas de la cigarette, je sens de la bœuf. Je te jure que c'est de la bœuf. On interpelle. Cible. Monsieur. Ta cigarette. La drogue, madame. C'est de la drogue qu'il est en train de fumer, elle, monsieur. C'est pas sobre, quoi. Mais qu'elle vous conseille d'arrêter de fumer? Arrêtez de fumer, c'est pas bien pour la santé, c'est ça qu'on veut vous faire passer, monsieur. Serrez-moi la main, moi. Reste sobre, mon ref. Allez, esprit. Au revoir. Tu vois, encore un mec de se sauver, c'est ça qu'on cherche. Bonjour, monsieur. Une simple question. Vous parlez français? Oui. C'est pas pour le chemin ou quoi, mais juste, j'avais une question pour m'informer juste de Charleroi. Je suis pas d'ici. On me disait qu'ici à Charleroi, il y a beaucoup d'inceste. Est-ce que c'est vrai? Non, je ne dirais pas vous dire. Ah non, vous n'avez pas des connaissances qui font de l'inceste ou qui veulent se reproduire ensemble ou quoi? En fait, mon collègue demande si vous avez pris des intoxications ou des produits stupéfiants. Non. Ok, ça va. D'accord, ok, bonne journée, monsieur. Merci. Ça va, au revoir. J'ai besoin de me dégourdir les jambes, là. Excusez-moi, mon ami a volé, mais il est autiste, donc il n'est pas au courant. Donc juste quand il va venir ici, dites-lui, voilà, est-ce que j'ai autre chose sur vous? Normalement, il va comprendre, merci. Vous avez quelque chose sur vous, monsieur? Il est autiste. C'est bon. Il comprend pas très bien. Faut lui demander de mettre tout sur le tapis. Ok. Vous devez tout mettre sur le tapis. Tout sur le tapis? Oui. Et par terre, s'il vous plaît. Oui. T'es sûr que c'est tout? C'est qui en fait? Monsieur, vous êtes bien fou. Non, vas-y, si tu veux. Vraiment, c'est scandaleux quoi. Je sais pas s'il y a encore dans les années 60 ou quoi, mais. S'il faut, je paierai. Hein. Si jamais il fait quelque chose, je paierai. De toute façon, madame, c'est pas le magasin à votre daron, donc en fait, si on vole ou pas, on s'en fout en vrai. Allez. Je sais pas, monsieur. Mais voilà, sors. Sortez, pas. Monsieur, sortez, parce que là, vous volez, etc. Qu'est-ce que j'ai dit à la caissière? J'ai dit ouais, mon ami il est autiste, il a mis un truc dans son pantalon. Par derrière, je vais le mettre. Posez la cigarette, monsieur. Posez la cigarette, monsieur. Comment il a bugué, je suis mort.
Moi je peux plus. Ah, il est avant, il est devant. Attends, attends. Ouais, là c'est d'abord. Je peux plus enlever ma main de la gâchette parce que là c'est en superchargé. Si je la lâche, ça booste tout d'un coup. Tu vois là, je vais l'enchaîner, Pablo, comme ça tu sais. Arrêtez la fumette, monsieur! Arrêtez de fumer! Arrêtez de fumer! Posez la cigarette! Posez la cigarette, monsieur! Posez la cigarette! Posez la cigarette, je vous dis! C'est une injonction! Ah, j'ai pas vu le headshot, mais il va être incroyable! Posez la cigarette, monsieur! Arrêtez le tabac! Arrêtez le tabac! Voyou! Mes crayons! Sans papier! Là, tu l'as réveillé. Excusez-moi, la drogue que j'ai vu passer là? C'est moi qui pose les questions. Je demande ce qu'il y a la drogue qui est passée ici. La drogue. Je vais juste vous informer, madame, que la vape, c'est pas bon pour vous. Vous êtes une telle belle femme. Je vous conseille vraiment d'arrêter. De vape. De vapoter. C'est la vape qui est pas bon pour vous, madame. Vous le réalisez quand même. Tous les jours, ça rentre, ça ressort. C'est compliqué pour vos, poumons. Mais voilà, respirez de l'air. Voilà, CO2, ça fait du bien, madame. Au revoir, madame. Malheureusement, je ne chute pas les madames. Tellement elles sont belles. Bonjour. Venez un peu. Faut arrêter de fumer, monsieur. C'est pas bien, ça. Enlevez. Enlevez. Putain, au moment où voilà. Je suis tout. Merci, monsieur. C'est bien. Au revoir. Peace. Ouais, regarde, c'est une prostituée. Attends, je vais demander. Je pourrais prendre un rendez-vous ou pas? Ok, ça va. Directement, c'est combien? 60 euros. Ok, d'accord. Je vais faire un tour, ça va, merci. J'ai jamais parlé à une prostituée, je savais même pas quoi dire, frère. Faut rester sombre. Ils sont gentils. Ça va? Monsieur, restez sombre, c'est important. Soyez sombre, monsieur. Ouais, la classe. Tu sais que j'aurais pu le mouiller, il a sali la nature. On est écolo ici. Hein. Fais marche arrière, en France. Fais assez agressif. Marche arrière, assis. Merci, monsieur. Et là. Monsieur, venez ici. Ce que vous avez jeté là-bas. Hein? Ce que vous avez jeté là-bas devant la voiture. T'as un briqueur. Oui, mais monsieur, la nature, ça, on n'en pense pas ou quoi? Attention, ramassez ça. S'il vous plaît. Attends. Non. Monsieur, ramassez ça. Attention. Monsieur, ramassez. Ouais, exactement. Il allait prendre pour lancer. Un craquette. Exactement. Craquette, frère. Ah là 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 là. Vas-y, speed back, mon bel mec. Vraiment, vraiment. Mais genre rapide. Regarde juste s'il n'y a pas de voiture devant toi. Il est où? Il est où, c'est enclenché. Attends, parce que... Ah, il est là, je pense. Il est toujours là. Il est là. Sa voiture là. Il a la bouteille là, en main. C'est une bouteille de quoi? J'accélère ou pas? Ouais. Je sais plus surcharger. Vas-y, bombarde. Bombarde. Il a tout mangé. Les gars, je vous dis, il a mangé l'entièreté de la charge. Malheureusement, on n'a pas le budget pour vous mettre plus des cams. Donc ce que vous devez faire, les gars, achetez votre merch. Le budget, il repart dans les vidéos, dans les cams, dans le matos. Et plus de bangers pour vous. Tout mangé. Vous avez reçu nous? Non. J'ai reçu. SSP une bague. Les gars, moi je ne retourne plus là-bas. Non. Je ne retourne plus là-bas. Moi j'étais une pierre, Pablo. Bro, il va jeter un truc, c'est. Ouais. Moi je croyais qu'il avait un vrai truc en main. Il était prêt en fait. Les gars, on peut regarder. Tu vois ce que tu fais? Tu te mets juste dans la rue. Ici il faut taper un droite. Tu vois, à tout droit tu fais ça. Tu vois, il y a gauche et droite.
Tu vois ce que je veux dire? Si vous voulez, on peut sortir de la voiture. Hein. Mais à droite, c'est là où il y avait la voiture verte qui est partie avec le drélé. Ok, ok. So, les gars, je pense que vous devez vous calmer. Ok. Ok. On est assez vulnérable dans la voiture. Voilà. Ok, faisons un vote. Non, mais le vote, il est caduque, on est que trois. Non, mais celui qui regarde peut voter aussi. Mais genre, j'aurais vraiment aimé d'être sort plus loin, tu vois, mais c'est pas grave. Après, il va pas rester là. Au pire, je sais pas, peut-être qu'il va. Les gars, moi, ce que je vous dis, les gars, achetez votre merch. Comme ça, j'ai ma propre voiture. Et comme ça, je peux payer des frais si c'est cassé, les gars. Parce que là, on n'a pas l'argent. Hein, les impôts, 800 euros, ils vont encore nous voler. Donc, ici en Belgique, c'est très très difficile d'être youtubeur, les amis. Les gars, ce qu'on a vu ici, on est à l'encontre. Hey, s'il te plaît, ne me mets pas sur internet. Hein. Hey, messieurs! Hey! Non, c'est encore lui! Attends, mais qui se met à la droite parce que. Mais là, t'as la courte. Hey, qu'on se passe! Il me suit, frère! Les gars! Attends, il s'est parti, il s'est barré. Il s'est garé, fait le tour. Ah, mais c'est un blocage! Ok, les gars, on est mal. On sort, gare là, on sort. Il faut qu'on sorte là. Non, non, il y a peut-être des trucs. En fait, tu vois ce que tu vas faire? Tu vas truc tout, tu vas bombarder. Moi, je sors pas de la voiture. Moi, je te dis, Pablo. Il a pas voulu lâcher ce bâtard. Mais vous l'avez entendu, il a dit stop, mais pas sur internet. Ouais. Il a dit attendez. Attendez. Supercharge. C'est pas lui qui sortit sa voiture? Non, c'est pas lui. En fait, c'est quoi ça? Avance. C'est pas lui? Avance, Lily. Il connaît bien Charleroi, il ne les a pas suivis. Avance. Et il est où? Avance juste. Eh, monsieur. Frère, là. Le frame. Vas-y. Les gars, je suis pas un pont. Non, regarde, pas touché. Vas-y, on t'écoute. Regarde, je sais, je te connais. Ok, il nous connaît. Voilà, regarde. Voilà, s'il te plaît. Vas-y, t'inquiète. Ne mets pas sur internet. Avec plaisir. S'il te plaît. Avec plaisir. Ok. Là, t'es venu vers nous. Il nous connaît. Non, mais regarde, je te montre, regarde, s'il te plaît. Non, il aura pas d'embrouille, il aura rien, putain. T'inquiète. Mais s'il te plaît, ne mets pas sur internet. Des youtubeurs, ok. Ok, tu nous connais. C'est fini maintenant. Tu m'as arrosé. Non, t'inquiète, c'est bon, frérot. Je sais, c'est le truc drôle. Attends, j'ai l'air d'un ton, petit con, quoi. T'as jeté des trucs par terre. Et je t'ai dit de ramasser, t'as pas voulu ramasser. Attends, c'est un briquet. Quand tu roules dessus, ça peut exploser. Ouais, mais la nature. T'es d'accord avec moi? La nature. C'est ma voiture. Quand tu roules sur un briquet, tu peux le. Mais t'as jeté pas devant ta voiture, t'as jeté dans la nature, dans les plantes. Non, jusqu'à les plantes, jusqu'à des caca qui a de la drogue dedans et tic et tac. Mais voilà, mais non, si, mais tout, bon, si tout le monde le fait, tu vois. S'il vous plaît, avec plaisir. Pas sur internet. Avec plaisir. Ok. Ça vient. Allez, merci. Ciao. S'il te plaît. T'inquiète, c'est noté. C'est noté. Je suis pas un torx, rien du tout. je suis pas un atelier. Je suis pas. Ah ouais. Je peux vous prendre en photo. Avec plaisir. Ça va? Wesh. Ah non, je sais que vous êtes très loin. Ouais. Oui, deux secondes. Il y a le stars. Supporte nos vidéos en achetant notre marchandise. Yo la famille, j'espère que vous avez absolument kiffé cette vidéo parce que moi c'était un immense plaisir de vous la filmer. Je vous ai promis que malgré qu'on comparait au tribunal correctionnel, que j'allais continuer la vidéo. J'ai reçu la date. La date exacte, c'est le 10 décembre. Le 10 décembre 2024 à 14h. On comparait pendant 3h minimum. Donc je vous ai dit que le dossier il est immense. Donc les gars, j'ai besoin de vous. Achetez votre merch, likez la vidéo, lâchez un petit commentaire. Mais ceux qui savent, les gars, prenez-vous. On a des t-shirts, des pulls, magnifique qualité, prêts pour vous. dielsamira.com. Je vous aime, les gars. À la prochaine.